Eh bien salut à tous et à tous les gars, c'est MicroS, comment ça va? Moi ça va super bien. Allez les gars, crise cardiaque pour vous. Non, comment ça va les gars? Moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la carrière manager avec Hull City. Hull City les gars, on va continuer notre petite aventure. Je vous le rappelle que on avait fait une dernière vidéo assez exceptionnelle. On avait battu Chelsea en Cup Capital One 1-0. On avait battu Middlesbrough et on avait battu Leeds United. Et dans cet épisode, on va en faire 3. Nous affronterons, ça c'est Cardiff, je crois. Non, c'est Huddersfield, ok. Donc on ira à l'extérieur contre Huddersfield. On jouera à domicile contre Reading Football Club. Et ensuite, on ira à Fulham. Donc c'est pas évident d'aller à Fulham, surtout que c'est une équipe qui a encore 2-3 bons joueurs. Bref les gars, on va se lancer dans ce match. Tac tac tac, il y a l'équipe qui est fatiguée de toute manière. Donc on se retrouve les gars pour ce premier match. Eh bien les gars, voilà, on y est dans ce match. Donc on a en plus de ça dû faire 2-3 changements. Je l'ai fait en off. Donc Loftus-Cheek remplace Neves parce que Neves était au bout du rouleau. Et puis en attaque, j'ai mis le petit Solanke que j'aime beaucoup, qui m'a fait de très bons matchs à la place de simplement de Zvolinski, les gars. Donc c'est parti, on n'a pas besoin de vous rappeler ce qu'on doit faire aujourd'hui, gagner hein, très clairement, surtout qu'on est bien revenu au championnat avec les deux dernières victoires là. Faut pousser ça. Voilà. Ouais, mieux si c'est possible. Donc les gars, let's go, ça va être tendu. Ça va être tendu. Ah, oh, dommage. Ben, c'était Taolun Xhaka qui s'essaye à une frappe, là. C'est capté, 14e minute de jeu. Il va centrer Taolun Xhaka. Ouh, lolo, Zardes, il était pas loin de nous la rabattre. Alors, bon. Malheureusement, il est fuyant ce ballon. Il aurait été un peu plus court, il y avait possibilité de la mettre. Zardes n'a pas su la rabattre, malheureusement pour nous, mais c'est la première vraie occasion qu'on a du match. Oui, va dans l'axe. Oui, Zardes. Le non, le buteur qui ne marque pas. Il avait fait tout juste. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Oh là là, il a tiré les étoiles sur ce plat du pied. Oh là là, ça aurait mérité mieux. Là, bah voilà, on se crée deux actions coup sur coup. Mais on transforme pas. Allez les gars, il faut marquer ça. Il faut marquer. C'est pas terminé, on dirait. Non, ça va être récupéré maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Mais non. On perd le capitaine sur blessure. Et ça doit être grave les gars. Parce qu'il demande direct le changement. Là c'est pas bon du tout ça. On va faire retrait Onoma. C'est pas bon du tout ça. 28e minute de jeu. Bah j'espère que pour Livmore ce sera pas trop grave. C'est vrai qu'il tient bien la baraque au milieu du terrain Livmore. Et là ça sent pas bon pour nous. On espère que ce sera pas trop grave. Quoi qu'il en soit, faut continuer. Mais c'est vrai que déjà avec Livmore c'était pas évident au milieu du terrain. Alors sans, ça va être encore plus compliqué. Il y a un moyen. Là il y a enfin quelque chose d'intéressant qui se fait. Oh dommage. Bah voilà, là il y avait au moins une construction qui était bien amenée. Allez bats-toi. Oui Onoma, bien joué. Bien joué les gars, allez. Dommage, bah là voilà peut-être une action qui aurait pu rentrer. Bon, mi-temps les gars, je vous assure que c'est vraiment un match qui est très très compliqué parce que on a une équipe devant nous de Huddersfield qui défend bien et nous on est un peu en manque d'inspiration. Bon, ils ont pas tiré, on a tiré 6 fois, mais c'est vrai qu'il n'y a vraiment pas eu de grosses actions dangereuses. On espère vraiment avoir plus d'actions nettes en deuxième mi-temps. Les gars, j'ai une chose à vous dire, on se retrouve pour la deuxième période. Ballon mis sur le côté. Ouais.
Oui, c'est bien joué, Solank. Il y a la possibilité, frappe au premier poteau, Solank. Oh là là, dommage. C'est dommage, les gars, parce que là, il y avait vraiment moyen de faire mieux. On passe simplement la défense. Elle est très fermée, hein, cette frappe. Je tente parce qu'il n'y a pas d'autre solution, vraiment, hormis la remettre au centre, mais ça aurait été cafouillage. Il faut garder ce ballon. Ouais, bien joué, Solank, qui se bat bien. Vas-y. Il passe Zardes. Oh, dommage. J'aurais bien voulu la remettre en retrait, c'est dommage. Oui. Allonge cette balle. Tu viens dans l'axe. Mets-la en profondeur. Oh non, c'était la plus grosse occasion qu'on avait eue. Dommage, c'était Solank, je crois. C'est pas terminé. Allez les gars. On la veut cette victoire, on l'aura. Allez, on va se battre avec les tripes. Allez, montre Robertson. T'as bien l'appel. Mais l'appel. La tête. Mais non, les gars, sérieux, qu'est-ce qu'on rate, les gars, c'est pas possible. Que non, pourquoi? Mais c'est moi qui ai appuyé sur la touche lob. Mais pourquoi j'appuie sur la touche lob? Oh non, les gars, dommage. Là, vraiment, vraiment, je sens qu'ils sont à deux doigts de craquer. On a une énorme action, là. On ne marque pas. Ça va rentrer, les gars. Ça va rentrer, c'est pas possible. Ça va rentrer. Allez, il reste 20 bonnes minutes. Il faut être bon défensivement parce qu'on est assez doué pour dominer. Ouh là là. Justement, il faut faire attention à ce genre d'action. Parce qu'on est bon défensivement, mais... Une action, c'est but, hein. Donc attention quand même. Ouh là là, il y a un trou dans la défense. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ça, il se crée deux actions en deux secondes là. Attention, hein, quand même. Parce que là, il y avait un trou dans la défense assez abusé. Peut-être que le petit Rashford va pouvoir faire la diff. On va faire rentrer Rashford. Prochain arrêt de jeu. Oh, il est contré. Il est contré, c'était Miesga. Oh, elle partait bien en plus, dommage. Oh là, mais non. Mais qui c'est? Je crois que c'est Rashford. Rashford va vraiment pas marquer. Hein. Ouais, c'est Rashford. C'est Rashford qui prend cette balle, là. Et non, les gardiens, avec Rashford, ils ont dit, il n'y a pas moyen, il ne marquera pas, quoi. Pourtant, ses entrées... Là, faut récupérer. Ouh là là, ils vont l'avoir. À moins que. Bien joué. On va se mettre en attaque ultra offensif. Oh, les cap. Elle est contrée. Vraiment, ils ont mis un bus. Le bus. Vraiment. Pour le moment, ils sont en mode bus. On se met en attaque de folie. Franchement. Une action dangereuse. Il faut vraiment avoir une action dangereuse. Ballon sur le côté. Au but Joe. Oui, tu y vas. Tu trouves une solution? Oh, il n'y a plus de gardien! Non, le poteau qui tombe! Mais non, c'est pas possible! Non, les gars, sérieux! C'est abusé, non, franchement, ils se seront. Alors, on peut dire une seule chose sur cette équipe, c'est qu'alors, ils se battent jusqu'au bout avec les tripes. Hein. Le gardien, la solidarité des types. Je te balance sur le poteau, je me balance, je la prends dans la gueule, tu te la prends. C'est pas terminé, on peut être encore récompensé. Non. Non. Oh, il y a faute. Non, il n'y a pas faute. Là, tu as le ballon. Oui. Enfin, les gars. Oh là là, ce match est fou. Ce match est incroyable. Et il est ouf, ce match. 90, ça doit être la 93e minute. Franchement, on marque enfin. 93e minute de jeu, les gars. Oh, et ben, ce fut compliqué. Quel fin de match. Et c'est Love to Cheek qui nous libère. Sur une frappe en pivot. Love to Cheek qui envoie cette balle en pleine lucarne. Voilà, magnifique, les gars. Allez, Hull City, voilà. Bah, écoutez, franchement, c'est terminé. C'est terminé. Victoire compliquée de ouf. Waouh, ils nous ont embêté de fou, cette équipe. Waouh. C'était très très compliqué. Je suis quand même content d'avoir gagné ce match parce que très clairement, on a dominé. On a dominé en deuxième mi-temps. On a montré on a fait tout le jeu, hein, simplement. On a tout fait. Eux, ils ont eu cette chance, c'est qu'ils ont pu compter sur
sur un gardien, une excellente solidarité, donc un grand respect à eux. Mais heureusement pour nous, ça tourne en notre faveur et c'est excellent. On se retrouve tout de suite, les gars. Voilà, les gars, on se retrouve dans les menus. Je vais aller voir 4 semaines pour Yak Livemore. Donc, écoutez, Love to Cheek prendra sa place simplement. Avec ces 3 points, les gars, vous voyez que ça nous a rapprochés. On est vraiment pas loin des autres équipes étant barragistes. Donc, on peut peut-être encore monter un peu au classement. Ce qui serait excellent. Nous, on s'approche. Prochain match. Ouais, Love to Cheek nous demande à jouer, mais c'est normal. En plus, il nous a fait un très bon match. Il nous a délivré, ce garçon. Donc, Love to Cheek. Love to Cheek, tu seras titulaire. Oh là là, il y a pas mal de fatigue hein, dans les joueurs. En plus, il y a la trêve internationale, je vois ça. Love to Cheek, où es-tu? Love to Cheek, tu es là. Et puis, à la place, on va prendre Maguire. À la place de Livemore. Voilà, les gars. Donc victoire, vraiment à l'arraché hein, la dernière victoire. Reading à domicile les gars. Bah écoutez, on va se retrouver directement pour le match les gars. Ok les gars, donc bah voilà, on se retrouve dans notre The Cassé Stadium pour notre match contre Reading. Et je dois vous le dire que j'ai dû vraiment bidouiller l'équipe, je vais vous la montrer. Simplement parce qu'on a des blessés. Mais on a aussi et surtout les matchs internationaux. Il y a des matchs internationaux, ce qui veut dire qu'on a Miasga qui est avec son équipe nationale. Il y a Neves, il y a Zardes, Zvolinski. Nous avions encore qui oui, c'est déjà pas mal. C'est tous ces joueurs, donc des joueurs qui sont tous titulaires. Donc j'ai dû faire avec ces départs. Donc Maguire a pris la place bien sûr de Miasga. Et puis ben on a encore dû mettre par exemple on a une attaque intéressante, je me réjouis de voir Rashford Solank. Et puis oh oh mais non, direct Pereira, tu dois m'envoyer la patate là. Voilà, bref, on a un milieu de terrain aussi qui est reconstruit puisqu'il y a la blessure de Livemore. Et puis voilà, j'ai dû mettre Onoma à nouveau et j'ai mis Love to Cheek, mais ça c'était normal puisque Love to Cheek me fait des bons matchs, bien joué la défense. Donc on va voir comment ça va se passer dans ce match les gars. J'espère que ça va quand même le faire malgré le fait qu'on ait pas mal d'absents. Donc let's go les gars. Allez les gars, on essaye de trouver mettre un peu de vitesse dans ce jeu. Voilà, quelque chose comme ceci, Ander Pereira. Ouais, il y a hors-jeu. C'est clair et net qu'il y a hors-jeu. Je sais pas ce que fait Taolun Xhaka et Sully là en bas. Mais il y a hors-jeu, c'est juste. Dommage. On se crée notre première grosse action. Ouais, bien joué Love to Cheek. Ouais, Love to Cheek, il est vraiment... lui, il peut nous apporter gros. Hein. Il peut nous apporter gros. Le général ne fait pas tout. Oh non les gars, sérieux, ça c'est con, un corner qui traverse comme ça. Ah, c'est pour vous dire, là ça reflète un peu le match, hein, cette action, on a vraiment rien. On a vraiment rien pour nous pour le moment. On n'est pas capable de mettre vraiment en danger cette équipe et bah, ça se ressent. Attention parce qu'ils tournent bien autour de notre défense, ils font bien bouger le bloc et ils arrivent à éliminer. Ouhouhou. Ouais, on était un peu passif là. Ils ont pu tirer, heureusement c'est pas du tout dangereux, mais c'était dangereux quand même dans le sens où en fait ils auraient pu trouver quelqu'un au centre. Attention, quand je vous dis que ce match est pas facile du tout, c'est que c'est pas facile du tout. Regardez encore la preuve, on perd un ballon con là. Et un excellent retour de Maguire. Bien joué les gars. Bon, mi-temps, c'est catastrophique pour le moment. On a vraiment rien pour nous. Reading nous fait bien chier. Ça, je peux vous l'offrir. Je peux vous assurer qu'ils me font chier. On espère que ça se passera mieux dans la deuxième mi-temps, les gars. Allez. Oui. Oui, Solank. Oui, Solank. Oh, mais non, Solank, tu dois me... Qu'est-ce qu'il siffle? Qu'est-ce que tu siffles? Il siffle une faute de Solank, mais faut arrêter. Il est en pleine course. Ah, c'est pas possible ça. On aurait pu la récupérer ce ballon. Oh, c'est Rashford. Ah, dommage.
Dommage, dommage. Je vous dis, hein, on va y arriver. On va y arriver dans ce match. Reading n'est pas dangereux. Mais ça, c'est comme la plupart de nos adversaires. Par contre, nous, on est quand même un peu en manque d'inspiration aujourd'hui. Hein. Il faut dire ce qui est. Là, sur Pereira. Pereira, il passe. Pereira, tu passes. Pereira, tu... Ah, dommage. Dommage de Pereira. Oh, putain. C'est Maguire, je crois. Ouais, c'est Maguire. Putain. Ça passe pas loin, encore une fois. Ça passe pas loin. Le gardien, il est complètement à la ramasse. Allez. Moi, j'y crois. Ultra off. Ça, ce sont pas dangereux. Ouch. Ouais. Attention au coup franc. Attention au coup franc, les gars. Ce serait con de s'en prendre à maintenant. J'ai eu peur là. J'ai eu un petit moment de silence. Ouf, ça passe au-dessus. Ouf. C'était dangereux ça. Non, tu vas pas me faire le coup du temps dans le coin de corner. Regardez. Là, ça, c'est un truc qui me rend dingue. Eh, les gars, c'est pas Barcelone, là. Je suis pas Barça, là. Qu'est-ce que vous gagnez du temps à la 83e minute, quoi. Ouais, bon. Là, c'était l'ouverture. Là, c'était genre, vas-y, je donne tout ce que j'ai. Ça va être terminé, les gars. Ah, là, c'est fini. Oh, merde. Mais j'ai l'impression d'avoir perdu des points sur ce match. Ça me fait chier, ça. Enfin, c'est pas l'impression, en fait. Simplement qu'on a perdu des points sur ce match. On est tombé contre une équipe de Reading. Pitoyable, cette équipe. Voilà, il n'y a que leur gardien qui est dans les moments forts. Ils n'ont rien fait. Talon Xhaka fait un bon match. Ça, c'est sûr et certain. Mais ils n'ont rien fait, vraiment. Malheureusement pour nous, on n'arrive pas à gagner ce match. Bon, les gars, on fait les entraînements. Après ce match nul contre Reading. On peut avoir des regrets. Il faut dire ce qu'il y a, on peut avoir des regrets au classement. Heureusement, c'est pas trop grave. Au bout de 13 matchs, on a quand... ouais, on a 7 points de retard sur le leader. Il faut gagner contre Fulham. Il faut battre Fulham. Demande de transfert de Mailer. Mais de toute façon, tu peux partir parce que j'ai même pas l'intention de t'utiliser. Alors, les gars, Fulham. Ça va être chaud. Ça va être chaud à Londres. Écoutez, on se retrouve tout de suite pour le match, on espère. On va voir ça. Est-ce qu'on a récupéré? Oui, on récupère nos... J'espère qu'on récupère nos titulaires, en fait. Ouais, on récupère tout le monde. Je vais remettre tout le monde sur la feuille de match et on se retrouve tout de suite pour le match contre Fulham, les gars. Voilà, les gars, on se retrouve à Fulham. La composition, on n'a même pas l'équipe A. Pourquoi? Parce qu'ils reviennent tous fatigués au final de leur match... de leur trêve, donc on peut compter aujourd'hui sur Ruben Neves parce que bon, il est encore un peu fatigué, mais je suis obligé de le faire jouer parce qu'au milieu de terrain il est trop important. Et puis Miazga qui est aussi un peu fatigué, mais qui va jouer de toute manière devant. Pas de changement comparé au dernier match. Solanke et Rashford toujours titulaires les deux, donc on espère que ça va vraiment le faire ce match. Puisqu'en plus ils sont revenus complètement lessivés, Zvolinski et Zardes. Ah, oh, dommage, Solanke. Donc on espère que ça va passer dans ce match. Vraiment, il faut gagner. Là, faut gagner. Oh, mais non! Mais non! Dommage. Encore une fois, c'est juste qu'il n'arrive pas à donner de la puissance, quoi, le gamin. Allez, ça va. Ça commence fort dans ce match. Ouais. Solanke. Pourquoi tu me rates ça? C'est tellement bien joué de Solanke. Qui c'est qui me la fout à côté, quoi? Qui c'est qui me la met à côté? Je crois que c'est soit Xhaka, soit Neves. Bon, dans tous les cas, ça doit être au fond, ça. Alors, vous allez me dire qu'on a des joueurs qui sont au-dessous de la moyenne de... au but de jeu. Et là, c'est goal. Mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Je leur écris une lettre, chacun, pour leur expliquer comment marquer. Je vois pas ce que je peux faire de plus, je lui dis de la placer. Alors certes, il est à l'arrêt, mais quand même. Là, c'est un peu abusé, messieurs. Il y a du laisser aller en attaque. Hein. Solanke, tu aurais dû me marquer un but au moins déjà. Hein.
Et il y a hors-jeu. Purée, mais c'est pas possible. On est tombé sur 3 équipes. Alors, pour le moment, c'est officiel 2, mais la troisième, qui est actuellement Flamme, a aussi décidé de jouer la des cartes défensives. Donc, je mets 2 bus et j'attends. Par contre, là, il y a but. Là, il y a but, les gars. Ok. Ils ont tous des gardiens de fou. Purée, allez! Ça va rentrer, ça va rentrer. On est en train de le but, les buts nous bootent depuis 2 matchs. Oh putain, c'est là, ah, c'est le défenseur qui nous la met dehors. On aura encore un corner. Allez les gars, bien joué gardien. Et ça, ça part en touche. Allez. Bon les gars, on va arriver à la mi-temps. Franchement. Les équipes ont décidé vraiment de jouer très défensif dans tous les matchs. Dans tous les matchs qu'on joue aujourd'hui dans cet épisode, ils sont tous très bons défensivement. C'est extrêmement compliqué de trouver une solution et de trouver surtout une faille dans leur dispositif défensif. Là, on a en plus affaire à un... Enfin, on a un peu la stratégie d'on-ball à faire tourner le ballon devant... Ouh là 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 là. En plus, il se crée une action, regardez ça. On a cette stratégie à faire tourner le, à faire tourner le bloc défensif, mais... On essaye par des centres, il y a un excellent gardien en face. Pourtant, on fait 7 tirs, vous pouvez le voir, 7 tirs, mais on ne trouve pas la solution. On espère vraiment que ça va passer, parce que là, ça commence un petit peu à être compliqué. On espère que ça va tourner en notre faveur, ce match. Allez. Allez, on croche, on se bat. On fait pas de faute aussi. Ouais, c'est bien joué ça. 1-0 pour Felam. C'est très bien joué de Felam. C'est très 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 bien joué de Felam. C'est McCormack. Ouais, non, c'est vraiment bien joué. Dragowski il sort, c'est juste. Et nous on se prend ce vieux but. Bon. 1-0 pour Felam dans ce match. Allez les gars, c'est pas fini. Faut crocher, faut bosser devant. Ça va finir par rentrer. C'est pas possible d'avoir autant de malchance. Abujo. Allez les gars, on essaie de trouver du mouvement devant. Love to Chic aussi. Conduite de balle, c'est pas ça du tout. Love to Chic. Hein. Allez les gars, sérieux. Solank. Ça va être récupéré. Love to Chic. Oui! Yes! Come on! Tirage fort en plus! Ça me fait plaisir! Yes! C'est pas fini ce match. Il est pas fini. Il reste 20 minutes. 20 petites minutes. Allez les gars, on y croit. Come on! Come on! Allez! Allez, Saint-Just, croche. Oh, McCormack qui a fait un excellent boulot, là. Bien joué. Pereira. Oui. Oui, Love to Chic. Il met un bon ballon sur Powell. T'es frais, Powell. C'est pas le plus rapide. Hein. C'est pas le plus rapide du tout, Powell. Allez les gars, allez les gars. Ah, ça passe pas. Ça passe pas. Ça va rentrer. Ça va rentrer. Je suis persuadé que ça va rentrer. Rashford. On va se mettre attaque de folie. Bien joué. Je t'arrache. Monsieur l'arbitre, c'est carton ça, s'il vous plaît. Il me zigouille mon défenseur là. Il y aura un très bon coup franc. Il y aura un très très bon coup franc que Pereira va prendre le temps de tirer. On va essayer de viser une grande perche. Yes! Oui!
Yes les gars, on va la chercher avec les tripes celle-ci. Je vous avais dit qu'il y avait un bon coup franc. Et on ne lâche rien. On lâche jamais un match. Jamais, jamais, jamais. Voilà les gars. Belle preuve de combativité. Magnifique, c'est pas qui c'est, je crois que c'est Neves. Magnifique Neves. Qui nous inscrit sans, j'espère, le but de la victoire. On va se mettre en défense de malade. C'est bon les gars, c'est bon les gars. Il faut y croire jusqu'au bout. Il faut y croire jusqu'au bout dans un match. Jusqu'au bout on y croit. Toucher, faut toucher cette balle. Et ça a dégagé, c'est dégagé. Allez les gars. Parce que Rashford là il part. Oula. Et c'est terminé les gars. C'est terminé. Avec les tripes on était la chercher celle-là. Magnifique, bien joué. Bravo l'équipe, bravo à toute l'équipe. On termine ce dernier match de la vidéo les gars, on conclut cette vidéo sur 7 points pris alors qu'on aurait pu en prendre 9. Un peu de regret pour le match de Reading, mais franchement compte tenu de ce match les gars, on va pas se plaindre. On fait un gros match et on s'impose dans les derniers instants à nouveau comme contre Heddles, je sais plus trop quoi là. Magnifique les gars, on se retrouve tout de suite pour débriefer cet épisode. Ok les gars, voilà, on est dans les menus. On va voir le classement. Bah, c'est la fin de l'épisode. Comme d'hab, on va voir le classement. Et on constate qu'on est très très bien. Bon, on a un match de, ouais, on a un match de plus que certaines équipes. On est à 4 points du leader Preston. Mais on a un match de plus que certaines équipes. Mais c'est pas mal, sinon c'est pas mal. On est quasiment assuré. Oui, on est assuré d'être encore barragiste à la fin de cette... À la fin de cette 14e journée. Donc c'est très très bien les gars. Vous pouvez le voir qu'on est vraiment dans le coup. L'objectif est toujours faisable. Et toujours en ligne de mire. Et on va terminer cet épisode avec un traditionnel rapport d'équipe. Dragowski plus 1 n'a pas progressé. Mais ça c'est... De toute manière hein, il va monter au fur et à mesure qu'on avancera dans cette carrière. Obudio a pris un petit plus 1. Plus 1 pour Saint juste aussi. Mais il est à l'entraînement. Ça devrait monter aussi. Maguire 1 plus 2. 1 plus 5. Plus 5, plus 2 si seulement, plus 5 pour Robertson. Lui, c'est vrai que lui, il va faire vraiment du bien, même si on reste encore une année en Championship où on va en Première Ligue, il fera du bien. Taolun Xhaka, lui, c'est un... Il progresse pas, Xhaka, hein. Vraiment légèrement depuis qu'il est arrivé. Loftus-Cheek, lui, bah, c'est vraiment un joueur qui progresse un peu partout. Onoma, il a pas progressé. Pereira un plus 1 aussi pour lui. Marcus Rashford qui a marqué enfin ce premier but tant espéré. Il l'a enfin mis le petit Rashford. Ça fait plaisir. Plus 1 pour lui. Solanke plus 1. Plus 1 pour Oxford. Puis Taylor, ça nous intéresse pas trop. C'est le joueur qu'on va vendre. Powell a pris un plus 1. Akpom plus 1. Zardes plus 1 aussi. Et puis on a quoi? Ah oui, on a encore Zvolinski qui a pris un plus 1. Et pour le reste, ah, on a Neves. Neves plus 1 aussi. 2 buts. Et là, celui-là était très important. Hein. Miasga plus 1 pour lui. Livmore qu'on espère récupérer rapidement. On n'a pas progressé. Sinon, c'est tout pour le reste de cette équipe. Beaucoup de joueurs en prêt, comme vous pouvez le voir. On fera le débrief à la fin de la saison pour les joueurs prêtés. Bah voilà, les gars, c'est la fin de cet épisode. Ce fut... Un épisode très compliqué, en tout cas pour moi à jouer, parce qu'on est vraiment tombé contre des équipes qui ont joué ultra défensif. On a vu très peu de buts, hein. J'ai mis que 3 buts sur 3 matchs. Un épisode avec un peu moins de buts. Bon, ça peut arriver, j'ai envie de vous dire. J'espère que ça vous aura quand même plu. Moi, j'ai pris du plaisir, en tout cas, à vous tourner cet épisode. On se retrouve bien sûr très prochainement pour la suite d'une de mes carrières. Je vous dis à la prochaine les gars, c'était Mick Royce. Allez, salut!